Nous sommes sur plateau Espérance TV pour l'émission Anticosé. C'est une émission qui est préparée et pour l'édification de chacun monde, pour aider le peuple à tirer fort. Et puis pour nous savoir, il y a des points importants en disant toujours des thèmes passionnants. Je remercie les techniciens qui ont fait un travail remarquable. Et nous avons dit gloire à Dieu pour ça. Et puis nous avons fait et Claudine Anticoucou, qui est responsable, qui a chapeauté tout ça qui a fait en matière d'audiovisuel, etc. Et nous avons fait Anticoucou, mode, Monsieur Serge qui est à côté Haïti. Et nous avons salué tout le monde dans les planètes là. Pour nous dire anti-causé, eh bien, c'est une émission qui a marché, qui a mis Créole en valet, mais surtout présenté en Christ qui solide, qui vini, qui mort, qui ressuscité, eh bien, qui a viré chercher nous tout à l'heure. Gratien, bienvenue en disant anti-causé, c'est un plaisir de recevoir encore et tout le monde qui a voyé bonjour, bon et puis bon Merci, courage. monsieur. Ah, ouais. Moi, quand remercier tout le monde qui a salué nous pour l'émission de là. Mais moi, content, moi, content, moi, joyeux parce que c'est les paroles, mon Dieu, qui a ouvert, moi, en joie pour moi fouiller, pour moi bêcher, pour moi essayer de trouver un argument essentiel pour aider moi à grandir dans la foi. Moi, je salue tout le monde à l'aliment de la terre. Moi, je salue tous les laïcs, c'est-à-dire des serviteurs, des disciples qui ont. Même en travaillant, il a essayé de proclamer bonne nouvelle là, parce que ben, la chaud la terre, nous espérons que Jésus est venu bien vite. Nous disons bon courage, qui grâce bon Dieu, aidez-nous chaque jour pour nous appuyer le Jésus et puis avancer et puis jusqu'à ce qu'il vienne. Merci. Bon courage, Gratien. En tout cas, nous avons dit dans un bel et thème, hein, nous dans le livre des Éphésiens. Alors, nous avons Paul. Et puis les Éphésiens, ouais. Christ au cœur du plan grandiose de Dieu, la puissance de Jésus exaltée, comment Dieu vient à notre secours, expiation horizontale, deux points, la croix et l'Église, le mystère de l'Évangile, le corps unifié du Christ, des vies façonnées par le Christ, et un langage inspiré par l'Esprit. Vivre avec sagesse, mari et femme, ensemble, à la croix, ça est important. Et puis, une loyauté suprême envers le Christ. Et puis, je dis à nous, quand il parlait, dit l'appel à tenir ferme. Et nous pouvons dire déjà, bon courage pour les soldats. Ah, bon courage. Bien, ah, ben, bon sans livre passionnant, nous voyons que Christ est au cœur du livre-là. Au livre-là. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, eh bien, je vais prier pour nous commencer, puisque nous allons commencer nouveau thème là, l'appel à Tchébé fermement. Très bien. Papa Dieu, c'est un plaisir pour nous parce que vous conservez nous le souffle de vie. Nous, quand vous ouvrez la Bible, nous besoin l'intervention du Saint-Esprit parce que c'est lui qui a conduit nous en disant toute la vérité, rien que la vérité, en nom de Jésus. Amen. 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 Texte de base, la Gratien, Éphésiens 6, versets 10 et 11. Ouais, il a dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Bel passage. Là, nous avons abordé chapitre 6, Éphésiens. Nous avons voir c'est la conclusion et nous allons aller vers la fin de l'épître-là. Vraiment, vraiment, nous pouvons dire que le livre est un livre extraordinaire. Alors que texte là, là, au reste, soyez comment puissant. Alors, il y ferme. Soyez puissant dans le Seigneur, oui. Soyez puissant dans le Seigneur. Et puis, il dit comme ça, par sa force toute puissante, souveraine, revêtez-vous toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable. Moi, bien, mais... Exactement, devant les manœuvres du diable. Il a appuyé, a spécifié l'objectif là. Oui. L'objectif, c'est pour tenir ferme. Oui.
non pas contre combat entre les membres, entre la chair, mais contre les ruses du diable, oui. Contre les esprits méchants dans les célestes. C'est ça, nous, Kayoué. Alors, où c'est dit, Gratien, c'est un appel à la Dieu. Oui. Et bataille ta là, c'est contre qui moun, qui les sont, eh bien, et zone, et qui les sont amens, et pour nous, à utiliser et pouti. Oui, alors donc, c'est en bataille. C'est qu'on va changer l'appel du 18 juin qui rentrait, qui voyait par le général de Gaulle. Il était commandé, tous les corps d'armée de France, les civils et autres, réunis pour combattre l'ennemi de l'époque. Mm-hmm. L'ennemi de l'époque. Messias, c'est un combat spirituel. Il a dû pour tenir ferme, pour être puissant, pour combattre contre les ruses du diable. Les ruses du diable là pour winner nous, pour mener nous à la mort éternelle. Mais la puissance, l'évangile Jésus-Christ, puissance l'Esprit Saint, là pour tchèber nous doubout pour le royaume éternel, bon Dieu. Et alors Paul, qui a continué le discours là, et puis il a dit au verset 11, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui. Mmh. Là où est texte là, t'as dit que au pani a lutté contre la chair et le sang, ça veut dire qui ça? Mais ça veut dire que ou pani a lutté la chair et le sang, c'est peut-être des personnes du même sang et pour tant de frères saints, et puis des frères personnes de même sang qui a dans la communauté des saints, c'est-à-dire frères en Christ, sœurs en Christ. Oui, alors les Paul qui a écrit là, Paul savent qu'il y a un conflit. Oui, il y a un conflit. Et pour lui, que c'est mon homme est trompé quand il dit adversaire. Exactement. Trompé quand il dit important, adversaire. C'est important. Ou trompé quand adversaire, ou trompé quand on est toute la ligne. Ça veut dire que l'on a gardé mon offre. Ou encore, frère, c'est là qu'il est pour là. Ou quoi dit, c'est lui qui l'objet, problème ou. C'est lui qui l'objet, le mal qui est environné ou. Si vous prenez l'argent, c'est faute lui. Hein? Si je suis malade, c'est par rapport à lui. Donc, vous avez mettre non seulement un regard accusateur en l'œil, mais vous l'éliminez parce qu'il n'est pas bon à voir en dit deux yeux. Oh, Bible a dit, on trompe comme adversaire. Et Paul, Adam, les écrits aux Éphésiens, il a fait comparaison à là. Il a parlé d'une vie qui centrait sur la chair et en vie qui centrait en l'esprit. Il a dit, si vous avez vu selon la chair, maintenant, ou quoi vous les choses selon la chair, ou quoi combattre selon la chair, ou quoi perdre d'avance. Mais si vous quoi combattre selon l'esprit, l'esprit qui permet de discerner au-delà du monde, où le premier groupe là, il y a un qui a tiré marionnette là-dedans, qui est le diable. Oui. Et l'esprit bon. Alors, nous croyons que Paul a conclu Éphésiens en disant un appel à Goumen. Oui, c'est ça. À Goumen, et qui exhortait les croyants de choisir quand il a dit en disant l'église là qui a mené un combat contre le mal. Et c'est important. Combattre là, ce n'est pas contre un dirigeant, ce n'est pas contre un membre d'église, ce n'est pas contre l'église là, oui. Mais c'est une guerre cosmique, oui. Et qui a deux puissances en opposition, donc chacun monde pour choisir et quand il y a. C'est pour raison que tu as commencé par une exhortation globale. Oui. Soyez puissants dans le Seigneur. Seigneur. Qui manière un monde peut être puissant dans le Seigneur? L'homme, votre puissant dans le Seigneur, c'est accepter la grâce de Dieu, hein, et puis laisser l'Esprit bon Dieu diriger et puis travailler en dit donc. Puisque il a dit, si je vis, ce n'est pas moi qui a vivre, mais c'est le Christ qui a vivre en dit donc moi. Permettre à le Christ de combattre par moi. Vous comprenez? Oui. Et donc, ça sera paradoxe. Alors, mais c'est ça. Là, il a dit comme ça que soyez. Et puissant dans le Seigneur, en fait, il n'a pas qu'à quitter nous désarmés, mais il a pas nous... Les moyens, les arguments, les armes. Les armes. Pour nous faire face. Pour faire face. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, on nous garde des batailles à la Gratien, et puis Pouchi, c'est ces armes-là nous avons utilisées en disant en telle bataille. Alors,
Il a dit, nous t'es allé le verset 12, nous t'es allé le verset 13. C'est pourquoi? Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. On nous reste là. Ouais. Qui ça qui t'a frappé, on dit dans le texte là, qui est important, qui est capital, qui est primordial? Il a dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Alors, problème, nous avons risqué de dire, Jean-Nan, c'est que nous ne pouvons pas tenir compte des déclarations, ce n'est pas en partie ces âmes-là pour point, ce n'est pas quelques âmes pour point, mais toutes les âmes. Toutes les âmes. Et ces âmes-là, pas oublier que ce sont les âmes de Dieu. Les âmes de Dieu. Les âmes spirituelles. Les âmes de Dieu. Âmes de Dieu. D'accord. Et nous avons besoin de ces âmes-là pour nous pousser à résister dans les jours mauvais et puis tenir ferme. Ou tous monter tout le bagage. Ça veut dire les épreuves. On nous aller. Alors, verset 14. Tenez ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. On nous reste là. Où est-ce que vous avez monté la ravine? Oui. Tenez fort. Fermement. Oui. Restez attaché. Oui, à Christ. Et c'est là toute force nous y est. Et puis, il dit comme ça. Faut que nous marions nous. Qui ça symbole dans la ville? Eh bien, si, marin ou on, ou savent, le ou un pantalon qui a tombé en l'eau, ou mêlé, pour faire soir en force, pour porter un bagaille, ou bien aller loin, à deux chemins. Jésus a dit maintenant que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et est-ce que vous remarquez, le ou levé, petit maman, c'est machin, non, peut-être maman, ah oui. D'autres monde qui s'est fait café, le ou te ka mette panier, ba yo, en les têtes yo. Non seulement yon dit torché, mais. Marie-Rien, c'est pour yo pe ça à l'aise pour porter charge là. Oui. Alors, il a dit comme ça que Marie-Rien et puis la vérité qu'on en tue. La vérité. La vérité. Et pour qui la vérité et qui rapport uni pour enceinte et en tue. Mais la vérité, maintenant, si faites là pour s'entirer, pour coordonner toute bagaille. Et moi, je signale que la vérité, c'est le Christ. Puisque Jésus dit dans Jean 14, 6, moi c'est chemin, moi c'est vérité, et puis moi c'est la vie. Donc, la vérité qui marie en haut, qui permet tout, rester debout, rester solide, parce que le Christ, en dit donc. Alors, tout le monde qui tombe à présent et grâce, tout le monde qui défaillant, et tout le monde qui découragé, qui conseille au Gabaï? Retourner à la vérité. C'est important. Retourner à la vérité. Retourner à la vérité. Ça veut dire que pas marré. Rien pas marré. Marré et puis la vérité. Parce que Jésus dit, Jean 5, 39, vous sondez les Écritures. Parce qu'on quoi penser trouver dans les Écritures la vie éternelle. C'est les Écritures qui sont là. C'est lui qui a un témoignage, dis-moi. Absolument. Oui, oui. Alors, nous avançons. Alors, après Saint-Ia, après Tuya, il a dit qui ça? La vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Oui, oui. En cuirasse, c'est qui ça? En cuirasse, c'est en bas pour protéger de tout. C'est pour protéger en cuirasse de la justice. Et alors, donc, la cuirasse de la justice, c'est qu'elle fait partie de la justice. C'est ça qu'on appelle justice de Dieu. Justice de Dieu sans laquelle pièce péché peut pas voir la face mon Dieu. Alors c'était qu'on en vêtement de protection. Exactement. En vêtement de protection éthique lorsque regardez mené Paul qui a décrit la situation. Il y a un soldat romain. C'est l'image d'un soldat romain. Un soldat romain qui paraît pour la guerre. Et sanctifié, il sanctifié. Ouais. Et bien il y a une inspiration, sanctifié. Oui, oui, oui. Et qui a pris une image là pour montrer le combat, les chrétiens pour mener. Et les hommes et pour point qui pour être différents de les hommes charnels. Ah ouais, c'est ça. Pour différents et puis les hommes charnels. Et c'est important. Et tout ça. C'est pour tuer, mais bon, on dit dans le combat. On nous garde encore. La justice. Et après, il a parlé, dit, verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Qui ça, en soulier, peut faire, on dit dans en bataille, on dit dans la dière, est-ce que en soulier, c'est un zèle? Ah, mais c'est en soulier, ça cap
protéger pied et qui permet tout aller loin. Donc soulier maintenant ici là, c'est en conviction profonde, en zèle pour avancer. Oui. Généralement, là où ces soldats, même si ni moun ka mod ou yo, mais continuer à aller toujours. Yo ka avancer, yo ka avancer. Zèle, yo ka avancer. Et bien donc, pour l'évangile bon Dieu, quel que soit plateau, quel que soit monde, quel que soit difficulté et autres, faut nous progresser pour nous présenter l'évangile bon Dieu. Donc, oui, alors là nous regarder et ça qui a fait là et ça qui a fait me remonter en disant l'expérience et du fils et prodigue. Les virer kay papa papa il dit comme ça même vêtements de justice là mettez robe là mettez soulier et symbole mettez soulier ça veut dire que ni slip pas esclave encore du péché Jésus libéré et maintenant qu'a mettez soulier en paix pour dire à présent allez propager en bonne nouvelle pour dire que ça bon Dieu fait bon et c'est ça et c'est esclave qui te mettre soul et qui pas te mettre soul oui c'est ça exactement ça. Donc eh ben tout monde qui en dit dans bataille ta là eh ben faut que nous mettez et soulier ta là qui ca ba nous zèle que l'évangile de Père et ça ça important alors à présent il y a le monde et zèle yo cassé qui ça va dire ah mais depuis là Jésus-Christ ou qui était Jésus-Christ tombé zèle ou cassé c'est même pour abandonner la mission pour abandonner la mission mais maintenant si l'esprit mon Dieu dit donc qu'on ca dit là et puis ron solidement marré zèle soulier en pied ou pour proclamer l'évangile là ou pour vivre lui et puis proclamer et puis absolument et verset 16 là prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin le bouclier bouclier c'est qui ça bouclier est là c'est grand qui fait c'était fait en cercle c'est pour protéger protéger ça veut dire que vous voyez flèche hein voyez l'épée alors faut que nous savons que et Paul clairement inspiré parce qu'il sait bien que l'on dit dans la Dieu ce moment là tu as voyé des flèches enflammées flèches empoisonnées mais flèches qui ni différent dedans là tu as voyé en laisser caille là en laisser château mais en l'air aussi donc c'est puis bouclier est là sans protection en cuivre là tu as brisé quoi en l'air maintenant tu as fait ça ensuite très enflammé du mal et ça important. Et pour le chrétien, c'est le bouclier de la foi. En qui ça, la foi, c'est un bouclier en chrétien. Ah, la foi, c'est l'indispensable. C'est l'indispensable. La foi, F-O-I, la foi. C'est par la foi qu'on va remporter les victoires. C'est par la foi qu'on va accepter le salut. C'est par la foi qu'on va accepter Jésus-Christ. C'est par la foi qu'on va accepter la vie éternelle. Tout, c'est question de foi. Hein? Puisque la Bible dit nous, Hébreu 11, sans la foi, impossible d'y plaire bon Dieu. Oui. Et c'est important pour nous voir que tout centré à sur le Christ, puisque au départ, il y a donc ça. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante ou souveraine. Et c'est important. Et Paul a identifié le Christ comme la source de la force des croyants. Exactement. Oui. Et remarquez que la victoire là, pas qu'à venir de nous, mais de la présence et de la puissance du bon Dieu. La clé du succès, ce n'est pas la confiance en soi, mais une ferme assurance en la puissance de Dieu et en qui il avait prévu pour le succès. Paul a l'audace d'utiliser ce terme pour exhorter les croyants à être premièrement actifs dans la poursuite de la mission, en deux, attentifs aux dimensions invincibles, invisibles, qu'ils ont un impact sur leur vie de témoignage, et troisièmement, conscient des dispositions prises par Dieu pour leur succès, et quatrièmement, être toujours vigilant pour l'importance de l'unité dans la collaboration entre les croyants. C'est extraordinaire. Oui, ça, c'est important, ça, capital. Et nous croyons que
par rapport à grand conflit là et nous avons fait des pas de géant grand conflit là et nous attendons qu'on nous en laisse point oui. Mais il n'y a un autre point là qui est important nous avons parlé de les armes oui, les oui, armes toujours. Spirituelles et verset 17 au verset 17 prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le casque du salut, lui, le casque, c'est pour protéger. Oui, hein? C'est tout. Protéger, c'est tout. Pour toujours garder la sérénité, la fraîcheur, afin de pouvoir discerner le bien et le mal, et l'épée de l'esprit qui est la parole de la Dieu. La parole de Dieu. Si un monde prend toutes les âmes là, puisque ce n'est pas quelques oui. âmes, vous pouvez, mais c'est toutes les âmes de Dieu. Eh bien, ou obligé en forme, ou obligé complet, ou obligé paré comme un soldat pour la bataille et la victoire assurée. C'est pas même vous qui a fait rien, mais c'est Christ qui a combattu. Bah, non? Absolument. Et ça, important. Alors, on. Oui. Il y a une dernière association, oui. Qui a parlé de la prière. Ah oui. La oui. prière, oui. toutes ces baguettes, alors, on peut toutes ces âmes-là, et pourquoi négliger la prière, ou pas qu'elle est efficace. Au verset 18, il y a dit faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les autres. Ah oui, oui, oui. Oui. Alors, et nous voyons, par exemple, en disant Romain, en nous prenant texte là, nous voyons Romain Pitan, Gassien. Romain et 13, verset 11, 14, son passage, mais. Oui, oui, ah oui. passage, mais. C'est très bien, oui. Romains 13, verset 11 à 14. Et Éphésiens 6, oui. Oui, voilà. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Mettons au combat. Ben, car maintenant, le salut est plus près que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière qu'on nous finit là. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin à la chair pour en satisfaire les convoitises. Eh oui, mais oui, mais oui. Et nous, en plein, on dit dans le thème là, oui, absolument. Tenir ferme sur un ancien champ de bataille. Pour ouais. Paul qui a mis l'accent à tenir ferme. Chebi fort. Ah oui. Chebi fort. Oui, qui a mis l'accent à ça. Il faut tenir forme, ferme. Ça veut dire que faut pas maintenant qu'à commencer et puis pourquoi battre ma charrière et pourquoi perdre l'eau, pourquoi battre ma charrière ou quoi perdre. Mais avancer par la foi, rester ferme, on est le principe. Et c'est pourquoi la Bible a dit c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et ça, c'est le corps même dans le combat. Oui, absolument. Combat la persévérance. Absolument. Alors, oui. Policier, cadeau, quelle que soit tentation qui vient, restez ferme le principe là. Pas essayer d'alléger le principe là pour essayer de passer outre. Mais restez ferme en le principe là et puis avancer. Oui, on nous fait dernier point. Et en lutte contre les puissances des ténèbres. Gression et un nous prend Éphésiens 1, verset 21, Éphésiens 3, 10, et puis Éphésiens 6, nous a repris comme un coup, et il y a toute la liste des âmes là, Paul qui a décrit combat là. Éphésiens 1, verset 21, nous allons verset 21 pour nous bien comprendre. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, l'a donné au chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Très bien. Jésus qui donc exalté. Éphésiens 3, 10. Éphésiens 3, verset 10. Afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Oui, et c'est important capital.
pour l'Église rester unie en disant bataille ça là. Mais c'est par action l'unité de l'Église là. Oui. Et puis offensive avec le zèle que donne l'Évangile de paix, que les autorités, les puissances maintenant savent qui manière bon Dieu était sage en accomplissant le plan du salut pour le salut de l'humanité. Et c'est pourquoi Paul a viré dans Éphésiens 6, 12 et qui a dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et c'est important. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Ténèbres qui a fait obstacle, qui a fait barrière à l'objectif, bon Dieu, envie de perdre les humains. Mais bon Dieu, nous, ben nous toutes les armes offensives et défensives pour nous pour gagner ni la victoire qu'on lui-même y gagne ni la victoire. Oui, et nous croyons que Paul qui a présenté et ces mots-là, lutter. Et Paul, l'image des lutteurs à l'époque. Oui. Qui étaient qu'à lutter. Et pour que tu fasses partie et des lutteurs, où tu es tout en préparation. Ah oui. Tout en préparation. Tout. Donc, en disant bataille-là, parler là, et en manière, et sans préparer, parce que vous avez fait une bataille d'avance. Ah, on va être rassé d'avance. Parce que Satan n'a l'expérience, parce que nous. Toute expérience, nous, sans Jésus, nous nie. Et chose extraordinaire, aussi faible que l'enfant de Dieu, depuis à pire le Jésus-Christ, il peut terrasser n'importe qui drapeau. D'accord. Ben, nous, on a une petite note là, et à la fin, là, Paul nous met en garde. Et oui, ce ne sont pas des ennemis que nous affrontons, mais les puissances spirituelles de la méchanceté dans des lieux célestes. C'est important, oui. Oui. Et il a tout mis à notre disposition, sa vérité, sa justice, sa paix, sa foi, son salut, ainsi que le Saint-Esprit avec Dieu, qui va au-delà de nous et de notre équipement complet au pied, du pied à la tête, grâce à l'armure qu'il a fourni alors, nous ne pouvons pas échouer. Ces puissances surnaturelles mauvaises sont bien réelles et nous sommes totalement impuissants face à elles. Sachant cela, pourquoi devons-nous saisir le Seigneur Jésus-Christ qui est non seulement le plus grand de ses puissances, mais qui les a déjà vaincus? Par conséquent, avec Jésus, nous avons la victoire. Bien, la conclusion, mon maïs, c'est que en disant bataille ta là, bon Dieu présent et puis nous en disant combat jusqu'à la fin. En disant bataille ta là, l'armure là, bon Dieu cabanouan, c'est armure lui qui là, les âmes de Dieu. Ouais. Donc nous peut pas faillir si nous intégrer ces âmes dans là. Absolument. En disant la vie nous, la victoire. Nous croyons les meilleurs soldats, nous croyons sur le champ de bataille, nous n'est la victoire par la grâce de Dieu. Qui personne ne va décourager, mais en nous tient fort, en nous persévérer, Jésus a gagné la bataille là, il va venir concrétiser ta nous, puis pour nous, et puis pour nous faire vivre pour l'éternité. Pas oublier, tu es fort, c'est ça. Texte là qui te banon. Merci en pile, gracien, dernier prière. Papa Dieu, nous remercions face aux puissances des ténèbres, face aux puissances incluses dans les lieux célestes et dans l'univers. Seigneur bon Dieu, où remporter la victoire. Et je dis, nous accepter pleinement maintenant les armes offensives, défensives qui sont venues dire afin de nous mettre à disposition nous pour nous remporter la victoire, pour témoignage, pas pour que l'Église maintenant connaître dans le monde maintenant et que les puissants savent que Jésus, c'est l'autorité suprême et tout le monde qui est enclenché à Jésus n'est la victoire. Souple, Papa, bon Dieu, donne-nous la force pour nous mettre sous les pieds, nous, le zèle, l'évangile de paix, pour nous continuer à proclamer souveraineté Jésus-Christ et puis qu'il vire, et puis qu'il prend nous, et puis les luttes qu'il cesse, les combats qu'il cesse, et puis c'est qu'il la vie éternelle. Souple, bon Dieu, aide tout le monde à comprendre ça et à faire choix, tandis qu'il y a encore temps, nous qu'à supplier en nom Jésus.
Amen. Amen.